Oh oui, ce soir nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir de toi. Oh oui, nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir de toi. Oh oui, nous sommes dépendants de toi. Saint-Esprit, nous voulons recevoir de toi. Nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir ce soir. Oh oui, nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir de toi. Oh, ce soir, nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir ce soir. Élève la voix maintenant pour vos chérés, bababababa, vos chérés. Est-ce que tu as soif de lui ce soir? Est-ce que tu as soif de lui ce soir? Parce que nous sommes dépendants de lui. Nous ne savons pas avancer sans lui, pas un pas sans lui. C'est pour cela que nous disons nous sommes dépendants de lui. Parce que nous ne voulons pas avancer sans lui. C'est pour cela que nous disons qu'on nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir. Oh oui, nous sommes dépendants du Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu souverain, nous ne voulons pas avancer sans toi, nous ne voulons pas avancer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne suivre que tes pas. Ayande bocha, ayande bababababa, boche, lèvez la voix. Ayande braka, ayande boche, bababababa. Nous sommes dépendants, et des bochadas. Est-ce que tu veux recevoir de lui ce soir? Si tu veux recevoir de lui, élève la voix pour implorer. Implore la grandeur de son. Implore ton Dieu ce soir. Est-ce que tu veux implorer? Parce qu'il veut descendre. Il descend dans la vie de celui qui a soif. Est-ce que tu as soif de lui? Alors tu dois le désirer. Est-ce que tu le désires? Aïe, des bochana. Oh, nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir. Ayande Boshé. Est-ce que tu es en train de te livrer totalement? Est-ce que tu es en train de t'abandonner totalement? Est-ce que tu es en train de t'abandonner totalement? Afin de lui laisser toute la place. Oh, nous sommes dépendants. Je reconnais mon incapacité. Je reconnais ma faiblesse. Je reconnais que sans toi je ne peux rien faire. C'est pour cela que je dis la totale dépendance je désire. Est-ce que tu peux lever la voix pour le dire? Crie à lui. Dis-lui que je suis dépendant de toi. Bien-aimé, tu dois prendre conscience que tu ne peux rien faire sans lui. Prends conscience que sans lui tu ne peux pas avancer. Prends conscience de cela.
Nous sommes dépendants du Saint-Esprit. C'est la totale dépendance. Le Seigneur regarde à celui qui a le cœur tout entier. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il recherche les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier. Qui ont le cœur tout entier. Les hommes et les femmes qui sont totalement dépendants de lui. Est-ce que tu es totalement dépendant de lui? Est-ce que tu es totalement dépendant du Saint-Esprit? Si tu es dépendant du Saint-Esprit, alors tu peux lever la voix et dis-lui, je suis dépendant de toi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir de toi. Nous sommes dépendants de toi. Nous voulons recevoir de toi. Oh oui, nous sommes dépendants. Dépendants du Saint-Esprit. Dépendants de toi parce que je reconnais mon incapacité devant toi. Je reconnais ma vulnérabilité devant toi. C'est pour cela je sais que c'est toi qui me conduis. C'est toi qui bâtis ton église. C'est toi qui bâtis nos vies. C'est toi qui nous propulse. C'est toi qui fais toutes choses à merveille. Sans toi je ne peux pas avancer. Dépendant du Saint-Esprit. La totale dépendance nous désirons. Bien-aimés, le Saint-Esprit est tout pour nous. Le Saint-Esprit, il est celui qui t'instruit. Il est celui qui te montre la voie à suivre. Il est celui qui te conseille. Il est celui qui a le regard sur toi. Il est celui qui t'enseigne. Il est celui qui te fortifie puissamment dans ton être intérieur. Il est celui qui te rappelle ce que Jésus a annoncé. Il est celui qui te guérit de toutes sortes de maladies. Il est celui qui te baptise d'Esprit Saint et du feu. Ah, il est celui qui glorifie Jésus le Christ. Il est celui qui t'enseigne toutes choses. Soyons dépendants de lui. Ah, je veux dans ma vie, je dépends de toi. Dans ma vie, je dépends de toi. Ma vie, je dépends de toi. Dans ma vie, je dépends de toi. Dans ma vie, je dépends de toi. Dans ma vie, je dépends de toi. Tous les jours de ma vie, dans ma vie, je dépends de toi. Dans ma vie, je dépends de toi. Je vis pour toi. Dans ma vie, 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 je vis pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit pour moi. C'est Christ qui vit par moi. Kadabaka, Christ vit en moi. Kodeboshadaba. Dans ma vie, je vis pour toi. Dans ma vie, je vis. Je ne vis pas pour moi, non, je vis pour toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je veux faire que ta volonté. Dans ma vie, je vis pour toi. Dans ma vie, je vis pour toi. Bien-aimé, le Seigneur recherche des hommes et des femmes qui ont le cœur tout entier. Si tu as le cœur tout entier, tu es qualifié pour être cherché et trouvé par le Seigneur. Le Seigneur recherche. Ça veut dire qu'il est en train de chercher. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Il recherche des hommes et des femmes qui ont le cœur tout entier. Dans ma vie, je vis pour toi. Dans ma vie, je vis pour toi. Dans ma vie,
dans ma vie, je vis pour toi. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans mes pensées, il n'y a que toi. 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 Dans mes pensées, il n'y a pensé, il n'y a que toi. Dans mes pensées, il n'y a que toi. Et continue à élever, élevez la voix dans des bouches divines. Confesse ces paroles. Quand abracabaya des bouches des larmes. Je ne veux pas d'autres pensées. Je veux le pensée de Christ. La parole de Dieu déclare, ayez les pensées de Christ. Ayez les sentiments. Les émotions de Christ, que notre volonté soit soumise à sa volonté. C'est pour cela, nous disons dans mes pensées, il n'y a que toi. 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 Dans ma vie, je vis pour toi. Dans ma vie, je vis pour toi. Dans ma vie, je vis pour toi. Adam, dans ma vie, je vis pour toi. Kalabra kabaya de boshanda baba baba boshirima. Bien-aimé, l'ennemi essayera toujours de te donner, de mettre en toi des limitations pour que tu ne puisses pas voir la gloire des dieux. Pour voir la gloire des dieux, alors le Seigneur veut que tu puisses ne pas être limité, que tu puisses croire comme un enfant. Un enfant croit, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Si tu veux voir l'amour des dieux manifeste, si tu veux voir la bonté de Dieu, si tu veux voir, alors tu dois manifester l'amour. L'amour croit tout, l'amour espère, l'amour supporte tout, l'amour espère tout. L'amour, quand tu espères en lui, tu ne seras pas confus. Quand tu crois en lui, il va se mouvoir comme jamais. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Il veut que nous puissions venir à lui avec un cœur rempli d'assurance. Rempli d'assurance. Comment tu te rapproches de lui? La parole de Dieu déclare dans Hébreux 10, verset 22. Comment tu te rapproches de lui? Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Soyons vrais, soyons intègres, soyons sincères. Parce que quand nous nous approchons avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, ça veut dire que tu ne doutes pas. Ton Dieu est là, il est présent, il veut te faire du bien ce soir. Est-ce que quelqu'un croit que son Dieu veut lui faire du bien ce soir? Ah, si tu crois qu'il veut te faire du bien, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors il a dit, approche-toi de lui avec un cœur sincère. Sois vrai, sois intègre, il est présent.
que tu es en train de t'approcher de lui avec un cœur sincère? Aucune limitation. Il est venu pour que tu puisses avoir la vie en abondance. Alors ne te limite pas, bien-aimé. Viens à lui comme un enfant vient voir son père. Viens à lui parce qu'il est présent. Parle-lui, parle-lui. Il est là, il est prêt. Il est prêt à te faire du bien. Devant toi, je me réponds, fais de moi. Est-ce que tu peux encore dire que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur? Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Inonde-moi. Est-ce que tu peux dire inonde-moi. Est-ce que tu peux dire inonde-moi. Viens inonder nos cœurs ce matin, ce soir. Viens inonder nos cœurs. Esprit de Jésus, non, aïe, de Boshi, non, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens inonder ce soir, aïe, inonde nos cœurs, viens inonder nos vies, nous avons soif de toi, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu. Ah, Esprit de vie, viens inonder nos vies, viens inonder nos cœurs, viens inonder nos vies, parce que nous avons soif de toi, nous avons soif de toi, viens inonder nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de vie, Esprit de feu, viens inonder nos vies, viens inonder nos cœurs, viens inonder nos âmes. Viens inonder mon cœur. Devant toi je me dépends. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me dépends. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur.
un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Inon. Est-ce que tu peux dire Inon? Est-ce que tu peux dire Inon? Inonde-nous ce soir, inonde-nous. Viens inonder nos cœurs, viens inonder nos vies. Viens inonder ma scie, viens inonder nos vies. Parce que nous voulons te voir, nous voulons te toucher. Nous voulons te voir. Tes projets de paix et nos malheurs se révéler, se manifester ici à ma scie. C'est pour cela que nous disons inonde. Viens inonder nos vies, viens inonder nos cœurs, viens inonder nos âmes. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Élevez la voix à débaucher, soupir après lui, soupir. Il recherche des hommes et des femmes qui ont le cœur sincère. Si tu es sincère, tu verras un attouchement spécial. Il veut te toucher ce soir. Il veut te toucher ce soir. Sois sincère avec lui. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Parce que le Seigneur veut te toucher. Un attouchement divin. Sois sincère avec lui. Tu peux lever la voix pour dire tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Ah, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Ah, t'as débauché, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Ah, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Est-ce que tu peux encore élever la voix pour dire tu es Yahweh? Est-ce que tu es en train de visualiser les défis que tu peux avoir? Est-ce que tu es en train de visualiser et que tu vois ton Dieu
sentir au-dessus de tous tes défis. Quelles que soient les montagnes qui sont devant toi, mais regarde ton Dieu qui est au-dessus. Fixe ton regard vers ton Dieu, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est pour cela rien ne peut l'égaler. C'est pour cela nous disons tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. L'Éternel des armées, tu es fort dans le combat. Magnifique en sainteté, tu es très digne des louanges. Alpha et Oméga. Ah, tu es. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire tu es Yahweh? Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Avoir l'attitude, la foi d'Élie. Élie était un homme de même nature que toi et moi. Mais il était celui qui se tenait dans la présence de Dieu. Il se tenait devant Dieu. Il ne pouvait pas accepter tout et n'importe quoi. Quand la situation dans son pays était en train d'aller de travers, Élie s'est levé. Est-ce que quelqu'un veut se lever dans sa famille comme Élie? Est-ce que tu veux te lever dans ta famille comme Élie? Tu vois, dans ta famille, il y a des choses qui se font. Mais tu es timide. Et tu, dans ton attitude, tu laisses faire. Et tu acceptes. Dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle saison, nous devons, ils doivent savoir qui est notre Dieu. Ils doivent savoir que notre Dieu est Dieu. Il est Yahweh. N'accepte plus des compromis, n'ai plus une vie de compromis, non. N'accepte pas. Élie n'a pas voulu cette vie de compromis. La parole de Dieu déclare dans 1 Roi 17, verset 1. Élie, l'Égyptite, l'un des habitants des Galates, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face de Jourdain. Il s'est passé tellement de désordre dans le pays. Alors il a dit non, ça. Tant que l'ordre n'est pas revenu, il ne va plus prévoir. Il ne pleuvra pas. Il n'y aura ni pluie, il n'y aura ni rien.
Le Seigneur veut nous emmener à cette dimension des autorités spirituelles. Des hommes et des femmes, des veilleurs, des sentinelles de leur famille. Des hommes et des femmes qui parlent et les choses arrivent. Mais la condition, tu dois être quelqu'un qui est quelqu'un de l'intimité. Quelqu'un qui est intime avec le Seigneur. Tu ne peux pas parler comme ça. Élie ne pouvait pas parler si c'était le Seigneur qui l'avait envoyé. Parce qu'avant de proclamer des paroles d'autorité, tu dois être un homme de l'intimité. Tu dois être un homme de l'intimité. Tu dois rechercher cette intimité au quotidien. C'est ça qui a permis à Élie de recevoir la révélation. Quand tu as la révélation, alors tu as l'assurance. C'est pour cela qu'il s'est levé. Il est sorti de nulle part. Personne ne le connaissait. Il est sorti, il a dit, mon Dieu est Dieu. C'est pour cela que nous disons, tu es Yahweh. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les choses qui se passent, tenons-nous dans la présence de Dieu. En sortant de cette présence, alors tu parleras avec autorité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas parler comme Élie. Parce que le Seigneur, dans cette saison, fait de toi une autorité spirituelle. Un veilleur, un sentinelle dans ta famille, un officier. Quand tu parles, et les choses arrivent. C'est pour cela que tu dois être un homme d'intimité. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Est-ce que tu peux visualiser les choses depuis longtemps que tu as laissé passer dans ta famille? Les choses que tu as acceptées depuis longtemps. Dans ta ville, les choses que tu as acceptées. Dans ton entreprise, les choses que tu as acceptées depuis longtemps. Ah, aujourd'hui, le Seigneur veut te susciter comme Élie. Ah, Yahdebochat. Est-ce que tu peux crier à lui et dire, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Yahdebochat. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Est-ce que tu peux dire tu es Jésus? Tu es Jésus. Est-ce que tu peux dire tu es Jésus? Bien-aimé, si tu parles avec autorité, sans au préalable être dans l'intimité, les paroles que tu libères n'auront pas de force. Parce que tu dois d'abord honorer le Saint-Esprit. Parce que ta force vient du Saint-Esprit. Si tu ne t'honores pas, tu peux proclamer des paroles. Le centenier romain, il a dit, moi qui suis soumis à mes supérieurs, si je donne un ordre aux subalternes, ils suivent. Il a dit, ce n'est même pas la peine que tu te déplaces, Jésus. Dis simplement un mot, mon serviteur sera guéri. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus a loué la foi grande de ce centenier. C'est dans l'intimité que tu parviens à la révélation de Christ. Parce que quand tu as la révélation, alors tu sais que Dieu t'a dit, t'a donné une parole. Et quand tu vas venir parler avec autorité,
alors tu verras les choses arriver. Si nous lisons dans Jacques 5, Calabra Cabaya, Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie était un homme de la même nature, toi et moi. Ça veut dire que toi et moi, nous pouvons déclencher les choses. Tu peux produire l'étonnement parce que Dieu a fait de toi un sujet d'étonnement. Il a fait de toi un prodige annoncé. Il a fait de toi une merveille. Alors tu dois t'élever. Tu dois être un homme de l'intimité. Un homme qui est intègre, qui aime sa présence et qui croit à ce qu'il dit. Et qui croit et qui met en pratique. Qui croit sincèrement. Qui s'approche du Seigneur avec sincérité du cœur, avec la plénitude de la foi, le cœur purifié de mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Et quand tu arrives comme ça devant le Seigneur, et le Seigneur te donne la parole, il te donne la révélation. Avec cette révélation, alors tu peux aller parler avec autorité. Des hommes et des femmes qui parlent avec autorité. Comme Élie. C'est cette saison. Le Seigneur veut susciter des hommes et des femmes dans cette famille spirituelle qui parlent avec autorité. Tu vois des choses qui se passent dans ta famille, mais tu as honte. Tu as honte de pouvoir avancer ou tu n'as pas d'assurance. Ah, ce temps est révolu. Ce temps est révolu, bien-aimé. Nous sommes dans la saison de la gloire. Nous sommes dans la saison, tu dis un mot, et les choses arrivent. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que nous sommes des hommes et des femmes qui doivent marcher avec le Seigneur. La révélation de Christ et la manifestation de Christ. C'est pour cela que nous disons, nous sommes dépendants de lui. C'est pour cela que nous avons dit la totale dépendance. Parce que tu ne veux pas faire de choses sans lui. Et tu veux qu'il soit au cœur de toutes les choses. Est-ce que tu peux encore dire tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Nous avons dit pour parvenir à la révélation, ah, tu dois crier à lui. Regarde la situation de ta famille. Regarde la situation de ta société. Regarde ta situation administrative. Regarde ta situation. Regarde ta santé. Regarde l'éducation de tes enfants. Regarde la situation de ton église. Regarde. Qu'est-ce qui perdure dans ta vie? Apôtre Ivan a dit, cette saison, c'est la saison où tout ce qui perdure s'estompe, s'arrête. Alors, il te sera fait selon ta foi. Alors c'est pour cela
Est-ce que tu peux commencer à visualiser? Est-ce que tu peux commencer à crier à lui? Oh, parle-lui, dis-lui, parce que ça commence par le cri. Akadeboche de Baba et de Brakabaya de Roche. Intercède, oh, prie. Seigneur, ne laisse pas cette situation. Ne laisse pas cet enfant. Ne laisse pas cet enfant. Ne laisse pas cet enfant se détourner de ta voix. Ne laisse pas ce mari. Ne laisse pas ce mari. Et débauche, nabaya, débauche. Qui commence à se quitter, à quitter. Oh, qu'on débauche, nabaya. Akadabra, kabaya, débauche. Ne laisse pas cet enfant. Au bras cabaya débauché de bababouche, être entraîné par le monde, être entraîné dans le monde, ne laisse qu'au bras cabaya débauché, ne laisse pas cette situation se pourrir, ne laisse pas cette situation administrative, au cabracaya, depuis des années, oh, il n'y a pas de solution, depuis des années, au bras cabaya débauché, tu as dit là où la plante de mon pied foulera. Tu mets donc ce territoire en possession. Alors, Yedeboshaya, je suis ici pour prospérer. Tu as dit, je prospérerai dans le pays. Tu as dit, si nous sommes tociles et animés de bonne volonté, nous mangerons la richesse de pays, la richesse des nations. Oh, déboché des babas. Ne laisse pas cette sœur ou ce frère malade dans son corps. Cette situation a perduré. Cette situation a perduré. Non, Boshaï. Ne laisse pas cette situation de couple. Ne laisse pas cette situation de chômage technique. De chômage. Ne laisse pas cette église continuer à avancer alors que oh, nous avons besoin d'une méga church, d'une grande salle. Et que des bochaya, et les autorités de la ville, et Kandabrakabaya, les agences continuent à dire vous n'aurez pas de salle, vous n'aurez pas de salle parce qu'il n'y a pas de salle pour vous. Oh, ne laisse pas cette situation perdurer. Cette situation, mon gauche, est-ce que tu peux lever la voix? Et tiens-toi dans la présence de ton Dieu. Est-ce que tu peux te tenir dans la présence de ton Dieu? Comme Élie, il se tenait dans la présence de Dieu. C'est ça, il a développé de l'assurance. Il a développé de l'assurance. Est-ce que tu veux développer de l'assurance? Qu'on débauche. Ne laissez pas cette famille, ce gauche, yandabauche, sombrer. Ne laisse pas cet homme sombrer dans l'alcool. Yandabraka. Ne laisse pas cette sorcière. Dans la famille avancer, non, dans des broches, des bababababos, et quand la braque à baïa débauche, et la braque à baïa débauche, aïa débauche, et débauche. Sois brisé, viens briser, oh, viens briser, que le bras du diable soit brisé dans nos vies, viens briser, que le bras du diable dans cette famille soit brisé, viens briser, que le bras du diable dans cette famille soit brisé, oh, viens briser. On vient briser, que les bras du diable dans ce foyer soient brisés. On vient briser, que les bras du diable dans ce couple soient brisés. Viens briser, que les bras du diable dans cette société soient brisés. Viens briser. Viens briser. Élève la voix, quand d'approcher des babas,
Aïe, un abouche. Tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, soit détruit, soit consumé. Aïe, un abouche. Aïe, un abouche. Aïe, un abouche. Ne laisse pas le bras du diable dans nos vies. Kandabra kabaya débauché de bababa. Ayaka débauché de bababa. Toi qui nous as développé, tu nous as sortis. Nous sommes sortis d'Égypte. Alors nous sommes plus en Égypte. Kondebra chede. Toi qui nous as fait traverser. Nous prenons la verge de la victoire. Avec cette verge, est-ce que tu peux parler? Ne laisse pas cette situation perdurer. Viens briser. Oh, viens briser. Ne laisse pas ce foyer en désir. Viens briser. Oh, viens briser. Ne laisse pas cette femme au fond des poches en situation difficile. Ne laisse pas cette maladie dans le corps. Ne laisse pas ce chômage, oh, qui perdure. Viens briser. Viens briser le bras du diable. Viens briser le bras du diable. Que les bras du diable soient brisés. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Ne laisse pas cette situation perdurer. Viens briser. Oh, viens briser. Viens. Ne laisse pas ce foyer en difficulté. Viens briser. Ah, viens. Viens briser le bras du diable. Viens débaucher. 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 Élève la voix, élève la voix, baba baba boche, baba baba boche, baba boche, baba baba boche, baba. Ne laisse pas cette maladie perdurer dans le corps de ma soeur, dans le corps de mon frère, non? Tu as dit dans ta parole, tu t'es chargé de nos maladies. Ah, tu as pris nos infirmités. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Alors, ne laisse pas le corps de ma soeur, le corps de mon frère affligé. Oh Seigneur, viens briser. Oh, viens briser. Que le diable, le bras du diable dans sa vie soit brisé. Oh, soit brisé. Que le bras du diable dans cette famille soit brisé. Oh, soit brisé. Dans la recherche du travail de ce frère et de cette sœur. Kadabra kabaya débauche. À chaque fois, bien-aimé. Bien-aimé, tu dois prendre conscience. Nous avons reçu la parole. Le Seigneur t'a donné la bouche pour parler. C'est pour cela, ce que tu as cru, tu dois le proclamer, tu dois déclarer, tu dois décréter et tu dois te mettre en mouvement. Il faut parler. Ne laisse pas une situation qui n'est pas normale. Si le Seigneur a dit, quand tu prends la plante de ton pied foule un pays, tu prends ce territoire en possession. Ça veut dire qu'il t'a donné ce pays. Alors tu ne peux pas être dans ce pays et continuer à souffrir. Parce que ton Dieu t'a planté là pour prospérer. Parce qu'il est venu pour que ce brebis ait la vie et la vie en abondance. Cela, quand tu comprends la révélation, alors tu peux parler avec autorité. Tu ne peux pas parler avec force, avec autorité, si tu n'as pas compris. Si tu ne comprends, si tu reçois l'éclairage que ce n'était pas normal. Cette situation, il a dit,
nous avons été déjà guéris. Mais pourquoi cette maladie perdure? N'accepte pas cette situation. Alors tu dois t'élever. Ah, tu dois dire, et Kadabro Shadabra, je prends la verge. Kadabra Kabob, est-ce que tu peux prendre la verge? La verge de la victoire. La verge de la victoire. Yekadabro Kodevoshai, afin de pouvoir, Yekadabroshai, frapper comme Moïse. Et Kadabro Shayabosha. La mer se séparait et le peuple d'Israël est sorti. Au Kobo Shadababa, tu ne peux pas rester enfermé parce que tu as été déjà délivré des puissances de ténèbres. Tu es dans le royaume, alors tu ne peux pas continuer à accepter de vivre et de subir le préjudice d'Égypte parce que tu es dans le royaume. Alors tu dois décider, élève la voix, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta condition, refuse. Au Kobo Shadababa, et Kanabra Kabaya, lève-toi, lève-toi. Comme Élie s'est levé, il a dit non, je ne peux pas accepter cette situation. Alors je vais parler parce que je suis en accord avec mon Dieu. Si tu es en accord avec ton Dieu, alors tu peux parler avec autorité. Est-ce que tu peux parler avec autorité? Parle maintenant avec autorité. Est-ce que tu peux parler au Kobo Shandababa? Parce que tu es une autorité spirituelle. Tu es une autorité spirituelle. Et Kadabrakabaya de Boshai. Et Kadababababababoshai. Fais tomber tout ce qui n'est pas des dieux. Fais tomber dans ta vie tout ce qui n'est pas des dieux. Que tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie, au Kobo Shai, soit réprimé au loin dans le nom de Jésus. Réprimé au loin. Tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie sèche à la racine dans le nom de Jésus. Que les jours de l'ennemi soient détruits dans le nom de Jésus. Le fardeau de l'ennemi soit ôté parce que tu es sorti. Parce que tu es sorti. Force vient de Seigneur, tu es Yahweh. Est-ce que tu peux lever la voix? Parce qu'il a dit, quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toute sa détresse. Ayan de Boshada, Kobroko de Boshaya. Quand le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toute sa détresse. Kadabashada Bababosh. Cet enfant. Dès qu'il est devenu rebelle, tout esprit qui anime cet enfant qui est devenu rebelle, que cet esprit soit réprimé dans le nom de Jésus. Tu es Yahweh. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. Ce que tu as annoncé, nous verrons cela manifester. Et c'est pour cela que nous disons, tu es Yahweh. Tu es Alpha et Omega. Ça veut dire que ce que tu annonces, tu l'accomplis. Ce que tu as dit, nous verrons se manifester. Ah, c'est pour cela nous disons, tu es Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh. Viens briser. Ah, tout ce qui est de l'ennemi soit brisé. Oh, soit brisé. Que les chaînes de l'ennemi soient brisées ce soir. Ah, brisées. Soit brisé. Que les chaînes de l'ennemi soient brisées dans ta vie. Oh, brisé. Le chaîne de l'ennemi soit brisé ce soir.
oh brisé, que l'éclat et passe de l'ébris soit renversé, renversé, oh renversé, renversé, que l'éclat et passe de l'ennemi renversé, renversé, renversé. Que les marmites de le débit renversées, renversées, renversées. Que les joues de le débit soient détruits ce soir, soient détruits, oh détruits, oh détruits. Que les joues de le débit soient détruits ce soir, soient détruits, soient détruits. Que les fardeaux de l'ennemi soient ôtés ce soir. Tant que ta vie soit ôtée, que les fardeaux de l'ennemi soient ôtés dans ta vie. Soit ôtée, soit ôtée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La débrochée, débrochée, débrochée. Je suis libre. Est-ce que tu peux dire je suis libre? Je suis libre. 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 Par la foi de Jésus. Je suis libre par la foi de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Ah, je suis libre par la connaissance de la vérité. Le Seigneur illumine les yeux de ton cœur, ce soit libre. À la foi de Jésus. C'est la foi de Jésus qui te rend vainqueur. C'est la foi de Jésus. La foi. Élève la voix en grâce. Le débauché de babababababauché de babababauché. Et quand la bracabaya débauché. La bracabaya débauché de babababauché. Bien-aimé, tu dois prendre conscience c'est ta foi qui te donne la victoire. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et la parole de notre témoignage. Tu dois prendre conscience, c'est la foi qui te donne la victoire. Ce que tu dis, est-ce que tu crois que ça arrive? Si tu crois que ce que tu dis arrive, alors tu verras s'accomplir. Quand tu dis aujourd'hui, les chaînes sont brisées. Tu dois savoir que ce que tu as dit, si tu es conscient, consciente de ce que tu as dit, les chaînes sont brisées. Si tu dis, leurs calebasses se sont renversées. Mais si quelqu'un était en train de faire des choses dans ta famille pour te bloquer,
calebasses sont renversées, sont brisées. Si tu dis que les joues de l'ennemi sont détruits, tu dois savoir que les joues de l'ennemi sont détruits. Qu'est-ce qui fait que après tu as proclamé mais tu ne crois pas ce que tu as dit? Et dès que tu ne crois pas, l'ennemi a dit ah, il n'a pas cru. Parce qu'il va étudier ta manière de parler. Il va regarder ta manière de t'exprimer. Tu as dit, je suis guéri. Par les maîtrisures de Jésus, je suis guéri. Mais quand tu pries, tu demandes encore, Seigneur, guéris-moi. Dès que tu fais comme ça, tu annules tout ce que tu as fait. L'ennemi attend. Il t'attend au tournant. Et t'attends. Tu parles, tu proclames, et après. C'est pour cela que nous parlons de l'intégrité. Ce que tu crois, ce que tu as reçu, dis-le, proclame-le. Change ta manière de parler. Change ton vocabulaire. Aie la mentalité de plus que vainqueur. Ne reviens pas en arrière. Ne tourne pas en arrière, ne tourne pas ton regard en arrière. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Ne marche pas par la vue, marche par la foi. Quand tu déclares que je suis libre, je suis libre. Mais je vais juste raconter une anecdote. Un jour, pasteur Alain nous a dit quelque chose, c'est très sensé. Il a dit, quand on chasse les démons, quand tu dis, tu quittes le corps dans le nom de Jésus. Dès que tu dis plusieurs fois, quitte encore le corps, tu annules ce que tu as dit avant. Ça veut dire que tu n'as pas eu, il voit que tu n'as pas d'autorité. Parce que tu es en train de répéter. Quelqu'un qui a l'autorité, il dit, et les choses arrivent. Ah, je ne sais pas. Je pense que vous n'avez pas compris. On va lire ça. Marc. Le Seigneur est en train de travailler notre foi. Il faut que nous soyons dans cette saison des hommes et des femmes avec une foi ferme et une foi forte. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. En réalité, c'est la version littérale, c'est « Ayez la foi de Dieu ». C'est la foi de Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Tu as dit, l'ennemi, il regarde ton attitude. Si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que tu peux acclamer? Quand tu demandes quelque chose en priant,
crois que tu l'as reçu. Maintenant, mets-toi en mouvement. Tu as saisi et tu avances. Maintenant, tu as reçu. Tu peux parler. Si ton corps est souffrant, tu parles à ton corps. Toi, tu es normal. Tu fonctionnes normalement. Parce que je suis déjà guéri. Tu dois faire la différence entre ce que tu as reçu de Dieu et quand tu parles à ton corps, aux choses. Quand tu vois quelque chose ne pas bouger, ne crois pas que ça n'a pas, que tu n'as pas reçu. Tu dois simplement parler, tu dis que toi là, tu dois te déplacer parce que le mandat. Bien-aimé, quand on te donne, on te dit que tu es propriétaire d'une maison en province. Et tu arrives dans cette maison-là et tu vois, il y a des squatteurs. On t'a donné déjà le mandat, on t'a donné le papier, on t'a donné tout. C'est toi qui es le propriétaire de cette maison. Et tu arrives et il y a des squatteurs. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas les mettre dehors. Parce que légalement, c'est toi. S'ils ne veulent pas partir, tu vas aller chercher la police et tu le mets dehors. Donc ça veut dire que tu vas chercher l'autorité, la puissance et tu le dégages. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais tu viens dans la maison et tu es propriétaire. Et tu arrives dans cette maison dont tu es propriétaire. Il y a des squatteurs. Et les squatteurs te disent non, non, non. C'est nous, nous sommes le propriétaire. Et toi, tu commences à douter. Ah, peut-être ils ont raison. Ah, je vais encore repartir en ville et vérifier si je suis propriétaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà l'attitude, la manière. Le Saint-Esprit me dit, c'est comme ça l'ennemi nous trompe. C'est ce que nous faisons d'habitude. Tu viens avec le mandat et tu arrives, c'est à toi. S'ils ne veulent pas partir, mais tu vas les dégager. C'est pour ça qu'on parle de la foi et la persévérance afin de les dégager. Applique l'autorité, parle et tu verras ça partir. Mais si tu commences à douter, à dire mais est-ce que vraiment Dieu l'a fait? Là tu es paralysé, là c'est fini. Tu repars en arrière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, ce que le pasteur Alain avait dit, c'était censé. Il a dit lors de Mega Impact Conférence, il arrive, il y avait des frères et des sœurs qui étaient fatigués pour chasser un démon. Ce démon-là ne voulait pas sortir. On est venu chercher Pasteur Alain. Il est venu. Quand il est arrivé, il a regardé, il a dit, toi, tu sors. Il a tourné les dos, il est parti. Alors que d'autres viennent, non, des jeunes, tu sors. Oh non, des jeunes, tu sors. Quand tu fais comme ça, tu n'as pas d'autorité, il ne va pas sortir. Alors il a dit, tu sors. Il est parti. Et il y avait une sœur qui était là, qui voyait spirituellement les choses. Et il a vu la scène. Quand Pasteur Alain s'est tourné pour partir, et la sœur a vu le démon en train de sortir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ça l'autorité. Bien-aimé, c'est cette dimension-là. Quand tu parles, allez, tu avances. Ça veut dire que tu crois. Tu dois exercer cette autorité-là. Quelle que soit dans ta famille, partout où. Quand Dieu a dit, tu crois que ce que Dieu a dit arrive. Quand tu parles, tu
crois que ce que tu as dit arrive et tu verras cela s'accomplir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que notre Dieu est Dieu. C'est pour cela. Élie avait confiance. C'est pour cela qu'il a dit, on va faire la confrontation. Vous, le prophète de Baal, venez, vous allez invoquer votre Dieu et on va voir. Et moi, je vais invoquer mon Dieu. Il a dit, invoquez le Dieu. Invoquez. Ils ont invoqué, ils se sont fatigués. Et quand il est venu, il a simplement invoqué et le feu est descendu. Parce que il était un homme d'intimité. Donc ça veut dire qu'il a cru dans l'intimité, il était pleinement conscient de ce que Dieu lui a dit. Quand tu as pris conscience que Dieu a dit, alors tu as de l'assurance. Tu sais qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Parce qu'il est Yahweh. Il est Yahweh, Alpha et Omega. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Est-ce que tu peux encore le dire? Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha, Omega. Que tu peux dire tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu es en train d'acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, le roi des rois. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alors tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu d'augmenter ta foi. Augmente-nous cette foi. Nous voulons cette foi. Comme la foi d'Élie. Élie est un homme de la même nature que nous. Il était un homme de la même nature. Il débauche un abracabaya débauché. Il cadaboko bababoché débat. Demande la foi. Fortifie. Élève la voix, dis, fortifie. Dans cette famille spirituelle, fortifie. Au Kabachada, élève la voix, parle au Bobo Chayasse. Est-ce que tu peux saisir? Ayaka de Boshadama. La foi est déjà en toi, alors tu dois exercer cette foi. Tu dois demander à Dieu de fortifier, d'augmenter. Parce qu'on reçoit une mesure de la foi. C'est une mesure que tu as reçue, une mesure de foi. Alors tu peux demander à Dieu d'augmenter la foi, de fortifier, d'avoir une foi ferme, une foi inébranlable, une foi
parce que nous voulons dire les choses et les choses arriver. Nous voulons dire et voir les choses arriver. C'est pour cela nous te disons, viens fortifier dans cette église. Augmente la foi, augmente la foi dans cette église, dans cette famille spirituelle, des hommes, des femmes et des brochères qui avancent avec la foi d'Élie, avec la foi d'Élie. Qui n'ont pas peur et qui n'ont pas peur, qui ne m'ont pas reçu un esprit de timidité, non, un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit d'amour. Qui n'ont pas peur de confrontation, parce qu'ils ont reçu la révélation de la parole. Alors ils ont de l'assurance, ils parlent et les choses arrivent, ils parlent et les choses arrivent. Augmente notre foi, fortifie dans cette famille spirituelle, fortifie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fortifie, augmente notre foi. Que notre foi soit ferme, que notre foi soit forte, que notre foi soit katabraka. Parce que tu as dit, c'est toi qui nous as permis. Si tu as dit, tu nous perfectionneras, tu nous affermiras, tu nous fortifieras et tu nous rendras inébranlables. Rends-nous inébranlables. Rends mon frère, rends ma soeur inébranlables. Qu'on débauche à la barababouche et qu'on abraque à maillard de bouche. On comproche des babas qui ne recule plus devant les assauts de l'ennemi. Nous ne reculerons plus, mais nous allons avancer avec la foi de notre Dieu, avec la foi de Dieu, la foi de Dieu, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui déplace les montagnes. Kadaboche, kadaboche, et kadaboche, fortifie. Élève la voix au bobo chada baba baba boshi baba baba boshi. Élève la voix. Ce n'est pas
ce n'est pas, ce n'est pas mal à voir. Ah, ça ne sera pas fait par ta propre force, mais ça sera fait par le Saint-Esprit. Yadabrakata, yadébouche. Alors fais-lui confiance. Développe l'intimité. Développe la prière d'intimité. Développe. Cherche à rester, à demeurer dans l'intimité. Parce que c'est lui qui te fera parvenir à la révélation de sa parole, à la révélation de Christ, afin de pouvoir parler avec autorité, afin de pouvoir libérer des paroles de feu, des paroles de foi, comme Élie. Et débaucher les baillards. Et les bras travaillants, débaucher les baillards. Est-ce que tu peux dire maintenant cette montagne, cette montagne, je déteste les montagnes de ta vie, les montagnes, au bras travaillants, débaucher. Quel que soit le nom, quel que soit le nom de cette montagne, ça se déplacera. Ça se déplacera parce que Cobra Chandabat, Okabra Kabaya, Aya de Boshaya, moi je ne reculerai pas, c'est toi qui vas te déplacer, tu vas te dégarpir. Oh, est-ce que tu peux dire cette montagne, tu déplaceras à cette montagne. Quelle est la montagne qui perdure dans ta vie? Quelle est la montagne qui perdure? Akadaboche de Babal. Aujourd'hui tu as reçu les clés pour que ça se déplace au Kabaya. Ça ne restera pas, ça ne restera pas. Tu viendras témoigner que cette montagne est tombée. Elle est tombée. Tu témoigneras, qu'au boche de Bababosha, on ne cherchera, on ne la trouvera plus. Oh, l'Égyptien que tu voyais hier, on ne la verra, on ne le verra plus jamais, on ne les verra plus jamais. Oh, Kabashana Bababosha, parce que. Oh, tu es un homme de femme, un homme une femme de foi, c'est parce que tu as su développer la foi d'Élie. Tu as su développer la foi ferme, la foi forte. En capacha d'ababa, et canabra cabaya de bocha, au capra baba boche de ma, et canabra cababa bochaïa. Alors parle, 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 qu'on est bochaïa. Parle à cette montagne, tu te déplaces, tu te déplaces, tu te déplaces, tu te déplaces, tu te déplaces. Oh, dis encore cette montagne. On te cherchera, on ne te trouvera plus. On te cherchera, on ne te trouvera plus. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur par mon esprit? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Et des bâches, des bâches. Elle est tombée, elle est tombée. Elle est tombée, elle est tombée. C'est déplacé. Oh, je me
réjouis en espérance. Aïe, je témoignerai. Oh, je témoignerai. Oh, et au bobo chal, c'est déplacé. C'est déplacé. C'est déplacé, c'est déplacé, c'est déplacé. On ne te retrouvera plus, on te cherchera. Ayane Bocha, tu es une histoire ancienne, tu es une histoire ancienne. Ayane Bocha, Ayane Bocha, Ayane Bocha. Elle est de la voix en grâce, en grâce, en grâce. Ayane Bocha, en grâce, Ayane Bocha. O braca vai a deboche, de bababa boche. O da boche, de bababa boche, de bababa boche. Aí da boche, da bababa boche. Ele vem a voar ao gás. E que deboche, aí da bababa boche. Dis merci, merci Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment passé dans ta présence. Seigneur, c'est toi qui as conduit toutes choses, c'est toi qui as inspiré les pensées de nos cœurs, c'est toi qui as inspiré les paroles de nos bouches, c'est toi qui as libéré des paroles puissantes, c'est toi qui a brisé les chaînes, tu as détruit le joug, tu as ôté les fardeaux. Tu as déplacé les montagnes. Seigneur, comment ne pas te bénir? Merci Seigneur pour les délivrances obtenues. Merci pour les grâces, excellences déversées dans cette famille spirituelle. Merci pour les guérisons divines. Merci pour les témoignages qui s'en sortiront. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi, notre Seigneur, qui nous a conduits, qui nous a fait du bien. Merci, Seigneur. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons nos retours entre nos saints et saintes. Il n'y aura pas de représailles. Nos vies sont cachées avec Christ. Le sang de Jésus nous garde, nous protège, nous préserve. Nous sommes insaisissables, irrattrapables. Nous sommes invisibles dans le monde des ténèbres parce que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour la protection divine, pour ton sang qui parle avec efficacité pour nos vies. Bien-aimé, tu es intouchable. Tu es intouchable. Est-ce que tu crois que les montagnes sont tombées aujourd'hui, déplacées aujourd'hui? C'est déplacé, c'est déplacé, c'est déplacé. Oh, les montagnes sont déplacées, déplacées, déplacées. Amen, amen. Amen, 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 amen à ta parole. Amen, 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 amen à tes projets de paix. Amen, amen, à ce que tu as annoncé. Parce que nous allons voir cela se manifester.
Parce que nous croyons, ce que tu dis arrive. À toi qui fais toutes les choses à merveille. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action des grâces, avec révérence et avec acclamation. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu as été béni ce soir. Amen. Le Seigneur nous a fait du bien. Marchons par la foi. Dis à cette personne, je ne marcherai plus par la vue. Je marcherai par la foi. À cette personne, je pense que chacun va parler à tout le monde. Je ne marcherai plus par la vue. Je marcherai par la foi. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière, l'atmosphère de prière prophétique. Et voilà, en tout cas, gardons ces paroles, réécoutons et continuons à prier, continuons à nous tenir dans la présence. Faisons comme Élie. Amen. Élie ne pouvait pas sortir comme ça du néant. Élie les timides sortent comme ça du néant et prend autorité. Tu ne peux pas parler comme ça si ce n'est Dieu qui t'a envoyé. Il a développé une relation d'intimité. Parce qu'il a dit, le serviteur, celui qui se tient dans la présence de Dieu. Tenons-nous toujours dans la présence de Dieu. Alors nous allons recevoir la révélation de Christ afin de pouvoir manifester Christ. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen, gloire à Dieu.